Il s'appelle Paul-Édouard et va avoir 50 ans, et cela très bientôt, et cela le désespère, car malgré une vie d'honorable fonctionnaire, il sera dans un mois la honte de ses enfants. Il n'a pas de Rolex, sa vie est ratée. Faut le faire psychanalyser chez un docteur pour le débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon il deviendra cinglé. Il a épargné pourtant depuis presque 50 ans, se privant de plaisir, de ce qu'il pouvait s'offrir, de ces petites douceurs qui permettent de respirer, sans jamais de cinéma, de resto, juste la télé. Il n'a pas de Rolex, sa vie est ratée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à le laisser crever, tout ça parce qu'il n'a pas gagné assez d'argent pour se la payer. Pour avoir ceux qui manquaient, il s'est mis à fréquenter certains lieux mal famés, où il s'est mis à jouer ses belles économies. Aussitôt y sont passés, et pour son demi-siècle, il a fini ratissé. Mais il n'a pas de Rolex, sa vie est ratée. Le jour de son anniversaire, il braqua donc un diamantaire. Il mit sa Rolex au poignet alors qu'un policier le tuait. Adieu les complexes, fini les complexes. Il a sa Rolex, tout est arrangé. C'est assez gai là ?